Salut Loane, salut Daphné. La prof d'espagnol, elle m'a dit que tu avais lu un livre. Je voulais savoir si tu pouvais m'en dire un peu plus. Oui, bah en fait j'ai demandé à la prof d'espagnol comment je pourrais progresser plus vite. Et elle m'a dit que bah je pouvais emprunter un livre que bah, celui que tu as dans les mains. J'ai commencé par lui. Et en fait c'est des livres qui sont mélangés français et espagnol. En fait, c'est-à-dire que tu vas avoir une histoire normale et que, par exemple, au début, c'est seulement les dialogues qui vont être en espagnol et petit à petit, il y a des mots qui vont se rajouter dans les phrases et à la fin, le dernier chapitre, il est complètement en espagnol. Et par exemple, il y a quoi comme phrase qui Bah, c'est quasiment tous les dialogues. Donc, par exemple, là, Clara no entiende que lo hay futuro en cadaque. Ah, Et et après, après, ça reprend en français. oui, et après, le prochain dialogue, c'est Todo lo que me interesa es la photo. Et tous les dialogues, ils sont en espagnol. Et à chaque fois, en fait, en fait, là, c'est l'histoire d'un petit garçon qui part en Espagne. Il a fait que 1 an d'espagnol. Et du coup, bah, à chaque fois, il réfléchit. Et du coup, on entend ses réflexions. Et du coup, c'est les mots les plus compliqués de la phrase qui sont expliqués. Et du coup, c'est pour ça qu'on comprend bien. Et moi, personnellement, j'ai tout compris. Alors que bah, il y a des mots que je connaissais pas avant. D'accord. Bah écoute, Loane, merci de m'avoir présenté le livre, ça me donne vraiment envie. Et puis bah du coup, je vais peut-être essayer de le lire, voir si bah, c'est un peu comme ça, si je comprends plein de mots et voilà.